Je vis ici, ça fait plus de 9 ans. Je suis marié à une femme ukrainienne et j'ai un enfant de bientôt, elle en mai, en, le 11 mai, elle aura 3 ans. Et je suis venu là pour aller me chercher du côté de l'Europe pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais il savait que les autorités ukrainiennes donnent la priorité aux Ukrainiens de sortir du pays. Donc il permet d'abord aux Ukrainiens de partir, ensuite les étrangers. Et pourtant, je suis venu ici comme un étudiant, j'ai fréquenté ici, j'ai eu le baccalauréat, je n'ai pas pu travailler ici dans ma spécialité. Donc là, nous avons eu une discussion là, avec ces policiers-là, qui ne laissaient même pas les hommes ukrainiens qui sont mariés aux filles ukrainiennes passer. Avec un enfant en plus, un métis, parce qu'il voit que l'enfant est métis, il ne veut pas laisser l'enfant passer. C'est ça qui nous a révoltés là, nous avons créé ce scandale là, nous ne sommes pas contents. Ma femme n'a pas voulu partir avec moi aujourd'hui parce qu'elle m'a dit qu'elle va rester prendre soin de sa maman parce qu'elle est l'unique fille à sa maman. Et j'ai donc décidé de partir en aventure, je veux dire, pour aider ma famille étant à l'extérieur parce qu'actuellement il y a la guerre en Ukraine. Il y a réellement la guerre en Ukraine. Donc c'était la seule solution à faire pour moi.